Et bonjour à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur Twitter, je vais peut-être arrêter de vous en parler de Twitter aussi. Je suis en train d'installer mes stickers sur le MacBook Pro. J'ai donc reçu mes stickers commandés sur l'excellent site sticker.com que vous avez dans la barre latérale puisque c'est un partenaire du blog. J'ai reçu, pardon, ces stickers qui sont ici. Donc la charmante demoiselle dans une position provocante, le petit Red Bull, un freerider en ski, un gecko et mon ancien sponsor Oakley qui pourrait m'envoyer des stickers au lieu de m'obliger à les acheter. Ensuite, les stickers qu'il y a là, bon, ça c'était fourni avec sticker.com. Hop là, vous l'avez là, sticker, le petit logo. Donc c'est en fonction du département de destination. Apparemment, ils doivent joindre l'autocollant du département. Ils auraient pu m'envoyer un département 40, les Landes, c'était quand même plus sympa que le 65, mais ils n'avaient pas moyen de savoir. Bon, bref. Ensuite, tous ces petits stickers, c'est ça, Adichat, c'est une marque de sape, Pi, c'est la quadrature du net, et ceux-ci, hop, sont des stickers de je ne sais plus qui d'ailleurs, d'un petit site internet qui, comme vous le voyez, milite pour l'informatique de confiance, contre les DRM, les brevets logiciels et la vente liée. Celui avec la vente liée, je vais peut-être pas le mettre sur un Mac, ça fait pousser le bouchon un peu loin. Donc voilà, donc ces stickers, comme je vous en parlais, je vous avais déjà fait un petit article dessus, ceux de sticker.com et pas les autres des clampins, sont d'excellente qualité, de très bonne facture, ils sont très bien faits, comme vous pouvez le voir sur, peut-être, je sais pas, ceux-ci sont mats, celui-là est dans un truc brillant et est un peu plus fragile puisque je l'avais sur le MacBook. Mais après, les autres sont dans un revêtement mat qui semble très solide. Ils sont repositionnables, il n'y a strictement aucun souci. Sur le MacBook, ils ont bougé de place entre 4 et 5 fois chacun. Dans la mesure où vous n'y allez pas comme un manchot à tirer sur le plastique, il n'y a pas de souci. Donc, je vous encourage, si vous souhaitez faire une petite customisation de votre MacBook, ou MacBook Pro, ou ce que vous voulez d'ailleurs, à commander ces petits trucs sur sticker.com. Ils proposent aussi des lettrages adhésifs pour des entreprises, pour mettre sur des vitrines, etc. Donc il y a forcément quelque chose qui conviendra à vos besoins. Allez faire un saut sur la boutique. Moi, je finis mon stickage de stickers et j'essaye de faire un MacBook le plus stické possible. Je vous dis à très vite. C'était Locan pour Locan.fr. Ciao, ciao.